Et jeudi, c'est deuxième et dernier jour et conférence là, jeudi. Nous couvrons pratiquement tout thème. Nous avons parlé de production, de marché et de financement secteur ailleurs. Matin, nous venons de présentations, une sur recherche et puis l'autre là sur gouvernance. Et donc nous bouclons 5 et présentations. Nous avons des ateliers tout qui étaient sur présentation, nous avons des débats sur ça que tu as parlé dans la présentation. Et donc, après-midi, on a des ateliers plus techniques sur dégustation cacao. Mais en termes de présentation et d'atelier, et c'est Kounia là qu'on a fermé la conférence. Mais nous allons partager qui ça avec différents producteurs qu'il a. Bon, nous jouons en pile d'informations importantes et par rapport à la présentation que tu as faite sur le marché, par exemple, parce que c'est des informations que nous n'avons pas gagnées, qui marché qui est intéressant, qui j'ai marché à évoluer. C'est une chose que moi-même, personnellement, j'ai trouvé très intéressant pour voir qui côté nous voulons aller comme pays, comme filière par rapport à marché. En termes de financement, tout, nous voyons que tu as en pile. Et financement, ce n'est pas vraiment un problème. Il y a un financement qui est disponible pour filière. Il faut nous venir avec des projets et intéressant, faut nous avoir une stratégie commune pour nous et prendre financement sérieux pour nous développer filière. Et hier nous t'ai parlé tout de troisième présentation, hier c'était sur marché production en tout, et il y a pile information que nous joignent par rapport à situation production nous, et il y a pile effort pour nous faire, mais nous avons une piste de solution pour nous capable arriver à joindre une solution sérieux. Et quel objectif conférence nationale? Bon, pour moi-même, la conférence a deux grands objectifs. Un, c'est, puis qui probablement ça qui est important, c'est que nous venions avec un plan et stratégique commun. Et souvent, chaque monde a travaillé sur le paio, chaque monde a l'idée paio, mais nous n'avons jamais vraiment l'occasion pour nous, tout le monde dans le secteur, producteurs, exportateurs, et universités, et monde qui a financé le projet, qui a financé le projet, même si c'est le secteur financier, pour nous capables de dire, bon, ensemble, qui côté nous voulons aller. Et c'est vraiment le premier objectif conférence. Et donc, c'est pour ça l'idée, c'était faire mon vin, pour nous voir quelle situation nous connaissons là, et puis qui côté nous voulons aller. Donc, c'est le plus gros objectif là. Et puis, et nous voulons tout que ce n'est pas en bas que son consultant qui vient, qui font plan, qui après ça, que nous mettons dans le tiroir, que c'est tout le monde qui participe dans la vision, dans le plan que nous avons fait là. Je veux dire là, nous avons parlé avec différents producteurs qui ont produit mon cacao en Haïti. Parler fait, discussion faite, nous jouons avec Mounio. Prochaine étape, c'est que ça dit exactement. Ok, alors l'important pour nous comprendre, souvent, et à accent, mettez sur producteurs. Les producteurs sont partie très important de filière, mais il faut oublier que il y a pile l'autre composante dans la filière qui est aussi important. En pile projet auparavant, tu es vraiment focus seulement sur producteurs. Mais il y a l'autre entité en dedans, structure, qui mérite de supporter tout, parce que des fois, c'est sur l'autre côté pour aller agir pour que les producteurs viennent joindre et en amélioration dans sa affaire. Donc, prochaine étape là, pour nous que nous fin nous parler en pile, nous garder pour qui côté nous y est en termes de filière, qui problème nous confronter. Prochaine étape là, c'est nous réunir en comité peut-être plus restreint et pour nous capable qui objectif, qui côté nous voulons aller par rapport à toute contrainte et toute opportunité que nous te joindre là. Donc nous allons faire des rencontres et par la suite avec un ensemble de représentants du secteur pour nous capable et déboucher sur des objectifs et après qui gens nous pral atteindre objectif ça, avec qui type d'activité que nous mettons en place pour nous capables d'atteindre l'objectif ça, et qui financement, peut-être nous avons un financement pour nous et réaliser l'activité ça. Et moi, je connais que le financement là, il faut nous venir avec un bail concret devant nous pour nous capables de dire, mais ça nous voulons faire, pour nous capables et à l'aise pour financer l'activité ça. C'est un monde qui finance, enfin qui organise la conférence ensemble avec le ministère de l'Agriculture. Avec nous, nous avons des exportateurs, nous avons des représentants et coopératives, nous avons un ministère qui est avec l'Institut Caféa, nous avons des présentateurs qui sont spécialistes en cacao, qui travaillent dans l'Université Harvard. Donc, nous avons ensemble de monde avec nous là. CRS, Catholic Relief Service, sont ONG qui travaille dans le pays, dans différents secteurs, dont l'agriculture. I'm very happy to see that there are so many Haitian cacao producers present at this event. Qui donc, moi très content pour moi que gen un pile producteur cacao haïtien qui présent ici dans conférence là. And that is because all projects only succeed in cacao if the farmers are equally represented and if they are insisting on meeting their needs.
bon et projet ça yo yo pas jamais réussi si par exemple tout petit producteur yo pas ensemble et si yo pas respecté besoin yo tout. And the producers here at this conference have a great deal of knowledge, but they're also aware of what they would like to learn. Et producteurs yo qui présent ici journée jeudi an yo gen pile connaissance mais yo réalisé tout que gen pile bagaille que yo besoin apprendre que yo doit apprendre. The ideal situation would be that they are asked, what do you need? How can we help you succeed? Et situation idéale là c'est pour demander yo qui ça yo besoin et qui ça yo capable faire pour aider yo réussir. And that they then participate equally in creating a national strategy for cacao that involves government, finance, academic institutions, and more. And that they then participate equally in creating a national strategy for cacao. Et pour y participer également pour y créer une stratégie nationale pour cacao qui est là dans la finance. Gouvernement et puis institutions académiques. Suivant intervention producteur ça on a cadre de journée conférence nationale ça s'il t'a un conseil pour ta bayo pour ta renforcer filière cacao c'est qui ça t'a pied. Give them to strengthen the cocoa sector, what would you say? It is as much as possible to understand and work collaboratively or cooperatively. Pour travailler collaborativement et aux gens qui coopératifs dans mesure que ça possible. There is for example the Dominican Republic nearby that is eager to collaborate and support. So take advantage of this situation. Par exemple, nous avons la République Dominicaine qui tout près nous là qui vraiment t'a aimé collaborer, qui t'a aimé aider, donc nous t'a dû profiter situation ça. And there is a great deal of training and research support available all around the world. Et gen pile formation et gen pile recherche qui ta ka ede yo qui disponible dans le monde entier. So there's no necessity to work alone or to work without support. All of this can be available if cacao producers are empowered to ask for it. Donc pas gen aucun besoin pour personne travail pour compte li ou bien pour yo pas chercher connaître tout bagaille ça yo parce que yo disponible grand pile bagaille qui ka bédé yo qui disponible et dans le monde entier. Dans le passé et pas vraiment gagnon yo intérêt te manifesté pour filière mais hier pour journaliste qui était présent yo ministre lan était là il était dit ça clair dans 3 années qui viennent là yo et gagnon effort pour le faire pour réhabiliter, régénérer 60% dans la production que nous avons là, dans 3 prochaines années. Et puis tout, dans le ministère, dans le passé, le budget qui était alloué pour cacao, c'était environ 15 à 25 millions de gourdes. Mais quand il y a un effort qui est fait dans l'année fiscale qui vient là, et 25 millions ça, ou bien 20 millions ça, a passé à 150 millions de gourdes. Donc, le ministère, nous là, nous attendons et contraintes yo notant des contraintes producteurs contraintes exportateurs contraintes en pile acteurs qui dans filière pensez que nous pouvons faire de mieux pour que filière est capable de relancer exactement mais ça on n'a pas qu'à faire pour compte nous n'a fait en accord ensemble avec partenaires nous yo ONG yo et puis tout exportateurs yo et puis tout torréfacteurs producteurs pensez ces producteurs qui moteur faut que nous et travailler ensemble avec eux, il faut qu'ils comprennent tout, comme ça, nous allons relancer la filière. La filière cacao, c'est la troisième filière d'exportation que nous avons après l'huile essentielle et mangue. Donc, et si comme Mathieu, tu es frappé, il y en a deux grandes régions cacaoïennes nous avons dans le pays qui sont grandes. Nous prenons un gros coup. Mais je me rappelle, pour nous, en 2012, la valeur d'exportation est estimée à 9 millions de dollars. Donc, c'est une filière de futur, c'est une filière qui gagne en pile avenir. Ce n'est pas une filière cacao, pas en voie de disparition. Okay. Au contraire, il y a un progrès qu'a fait pour que la filière soit relancée exactement. Ce n'est pas le premier colloque qui fait. À chaque fois, il y a des promesses. Mais espérer que fois ça,
là pour aboutir à quelque chose de concret. Et comme vous présentez le ministère de l'Agriculture à Sodia, il a espéré que l'exploitateur a collaboré avec l'agriculture. Mais après, pour lui, l'exploitateur toujours voulait collaborer avec le ministère de l'Agriculture. Malheureusement, très souvent, c'est eux qui parlent les grands perches là qu'on a obtenus. Je prends un bon exemple qui est simple. Non, puisque nous ne faisons pas les consommateurs, il faut nous dire que le Nord, c'est le grenier du cacao en Haïti, avant même que le cyclone et Mathieu aient passé. Donc c'est toujours le Nord. Dans le Nord, jusqu'à présent, on n'a pas de laboratoire. Dans le Nord, on n'a pas gagné un ministère du Commerce qui peut signer un papier. C'est-à-dire que même si là, il n'a pas joué le rôle là. Donc, tout papier que vous voyez, il faut voir le Port-au-Prince. Je profite de m'dou, si par exemple vous faites une analyse pour le prince, vous pouvez dans. Comment il va là? Tamarinier. 15 jours après avoir un bon résultat, il va prendre pour nous que Delcroix en panne. Bon, vous comprenez? Donc j'espère que justement, qu'on y ait au moins des bails comme ça, on va arriver à quelque chose de positif sur la réunion. Ça. Maintenant, le problème qui gagne, c'est que qu'on y ait. En parallèle, on a monté ça sur l'interprofession de cacao, c'est-à-dire toute filière cacao là-dedans, à savoir depuis producteur, en passant par les exportateurs, en passant par les coopératives, en passant par les ministères de l'agriculture, financiers, tout ce qui finance, pour nous, ouais, justement, si on a sorti avec un programme bien établi, et on, bah, bien ficelé, pour nous, ouais, si on a augmenté la production, qui est plus important. Parce que s'il n'y a pas l'eau de dégustation, il n'y a pas l'eau de cacao fin, en réalité, pour faire l'eau, il faut que le cacao. Or, Haïti, quand même, ça l'a exporté grand maximum entre 4 000 et 4 500 tonnes. L'on pense qu'à côté, en République dominicaine, il y a à peu près 70 000, 75 000 tonnes. Ou est différence hein? Donc, je pensais qu'après réunion, ça, il faut nous chiter tout bon pour bah, concrétiser. Et d'autre part, il faut m'annoncer, nous, parce que c'est un crime à planter pour tout le monde concerné. Prendre conscience de ça, il y a une maladie qui sorti en Colombie, Équateur, Costa Rica, qu'on y a en Jamaïque. C'est une maladie qui est attaquée directement à Cabos. Il n'est pas attaqué. Pied bois, il va attaquer feuillot, il va aller directement dans le cabos là. Et qu'a fait 80 à 90% en 6 mois de production. Alors qui dit Jamaïque, Haïti, c'est à quelques kilomètres par le sud. Donc il faut nous faire attention. Et nous avons justement que suite à la réunion, ça, quand pile le changement fait pour nous carrer comment au moins prévenir. Voilà, voilà ça me dit que vous dites que vous avez fonctionné dans les domaines de production cacao. Qui conseille de capoter ou bien selon vous-même qui meilleur moyen l'État haïtien a passé pour augmenter la production cacao en Haïti? Pour augmenter la production cacao en Haïti, il y a pas 50 000 moyens. Premièrement, ou bien la surface qui plante déjà, ou augmenter la production par déjà un minimum, émondage, taille, apprendre comment on peut faire lui, greffage. Qu'on y a au cas augmenté surface cacao hier, on va au cas faire mettre des structures en place pour mounio apprendre et toutes les techniques. Faut bah des possibilités puis en République dominicaine à côté qui sont gros pays cacao pour apprendre technique, les fini qu'on y a et ça va être comme un tagadou enchaînement plus on produit plus on gagne rendement. Plus, on a bien revenu tout. Donc, producteur, de parler même, sous tes gros cacao de terre qui était comme bon exemple, qui était comme bon, disons, 10 kg de cacao, qu'on y a passé à 20 kg uniquement par les techniques de taille et de bondage, c'est déjà augmentation de revenus. Est-ce que vous comprenez?